Et bonjour à toutes et à toutes, c'est Munchy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Desperados 3. Un petit moment que je n'ai pas lancé, celui-là, c'est vrai que j'avais fait une petite pause avec ces Desperados, Mountain Blade, et puis c'est quoi le troisième sur ma chaîne, là, putain, je sais même plus. Bon, je sais plus, c'est qui le troisième. Voilà. Bref, j'avais fait une pause avec ces trois jeux, donc je ne sais plus le dernier. Oui, le donjon de Nullbuck, c'est bon. Ça me revient. Eh ben dis donc, Munchy purée. Oui, donc voilà, donc j'ai essayé de relancer Desperados. Donc on est arrivé à la... Je sais plus quelle mission, hein, mais je me souvenais qu'on devait capturer Monsieur DeWitt. Il va falloir trouver un moyen de l'éloigner de la foule. Et ça va super fort, voilà. L'éloigner de la foule et puis de réussir à le kidnapper. Et pour ça, on a Cooper et Pickett qui peuvent s'infiltrer à la soirée dont il est l'organisateur. Et à côté, là, on a Hector et puis Isabelle qui vont essayer de se faufiler un peu à leur méthode, comme ce qui se fait de mieux. Donc ça va pas être une mission facile, à mon avis. Il y a beaucoup de possibilités, hein. Alors, je pense que j'aurais eu envie de partir sur les feux d'artifice, moi. Oui. J'ai envie de partir là-dessus. Donc, je ne sais pas si je fais avancer Cooper en premier ou alors si je fais avancer plutôt mes deux autres Tascars. Je pense que si on suit la logique, si on veut partir pour la méthode feu d'artifice, il va falloir faire avancer Hector et Isabelle. Donc écoutez, on va commencer par faire avancer Hector et Isabelle, je pense. On va commencer par Isabelle, je pense. Allez. Ah, c'est vrai que Hector, il est bloqué avec l'eau. Très bien. Écoutez, on va... Parce qu'Isabelle, c'est vrai que je peux un peu faire ma life, hein. Je peux aller partout, montre. Hein. Ah, je peux vraiment aller partout avec Isabelle, c'est le feu. Faut que j'oublie de sauvegarder, moi. Non, 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 Isabelle. Putain, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud à la bite. Allez, dans ta gueule. Prends ton cul qu'il croyait prendre. Thank you. You know... This would be a lot easier if you could swim. I can, but I have to carry. Je portais Bianca, sinon Bianca est tellement lourde. Ah là 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 là. Bon allez. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec Isabelle vu qu'elle peut nager tout le long. Je suis sûr que je peux aller jusque là-bas, c'est ouf. Et bon, on va essayer de progresser avec Hector. Du coup, je pense que lui pourra se frayer un chemin. Let's do this. Attendez, c'est vrai qu'il me voit pas, je suis accroupi là. Je peux y aller en fait. Yeah, I got it. Voilà. Sauvegarder. On se prépare à l'accueillir cet enfoiré de long manteau là. On a un au-dessus, attention Hector. Bah lui, il faudra faire gaffe, je pense. Bon, je vais d'abord faire avancer un peu le temps. Que le poncho revienne. Je me trompe de touche, brave Jean. C'est la panique. Allez hop. Chaque ennemi qu'on va tuer, c'est du progrès. Écoutez, brave Jean. C'est pour ça que là j'ai décidé d'aller là-bas. Ah, ça il me voit pas le con. Ouais, ça a l'air facile, t'inquiète. Accueil. Ah là là, il te manque, hein. Ah, par contre, toi, il y a du feu là, faut faire gaffe, c'est vrai qu'il y a, il y a la notion d'obscurité qui rentre en jeu, faudra vraiment faire attention. Donc lui, a buté absolument, quoi. Ah, c'est une échelle à faire tomber, d'accord. Ah, mais il peut pas grimper, Hector. Aïe, 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 aïe. Donc, je sais pas comment je vais faire pour le baiser, lui, en fait. Ah, ça va être très emmerdant, ça. Ouais. Là, je vais vraiment devoir me servir d'Isabelle, en fait. Ah, elle peut monter par là, Isabelle, aussi. Ah, c'est incroyable.
C'est par l'entrée, bah bon, là on va plus laisser le chemin à Hector et puis Cooper et puis Kate, bien évidemment. Ouais, j'ai envie de nager jusqu'au bout là-bas. Faire gaffe à cet enfoiré là-bas. Hein. Ouais, je suis pas... Let's get to it. That's what I'm talking about. Ouais, ça va être compliqué. C'est sérieux, je peux faire le tour? Attendez, je peux vraiment faire le tour et... Non, c'est incroyable. C'est n'importe quoi. Je peux faire le tour de la map avec Isabelle, c'est sérieux? Non mais jamais ça passe, il a de la lumière et tout. Ça peut être une strat après, hein. Mais bon, là, j'ai plutôt envie de porter secours à Hector parce que sinon il passera jamais. Ok, ouais, il y a plein de possibilités encore cette map là. Ouais, niveau possibilités, ça a l'air ouf encore. Hein. Mais bon, si je joue à petite dose à ce jeu, mais le fait est qu'il reste toujours aussi cool. Hein. Le seul truc qui m'emmerde là, c'est le long manteau. Ah, Isabelle. Been looking forward to this. Alors, elle marchait, j'avais pas fait gaffe. Hein. Là, j'ai bien envie de la poutrer. Attention, hein. Pas dans ce sens-là, bien évidemment. Je laisse ça à Super Séducteur 3. Ok. Comment je pourrais m'y prendre, moi? On va tenter un truc. Je sens que ça va mal se passer. Ouais. Ça, c'est cool. Au moins me débarrasser du cadavre, en fait, ce serait sympa. Voilà. Là, je vais tenter de faire baisser l'échelle sans que le mec le voie pour essayer d'arnaquer un peu le jeu. Si ça marche, franchement, c'est la pire des arnaques du monde. Ah non. J'allais dire si ça passe, ça franchement, les mecs sont complètement cons. Ouais, pour le faire monter Hector, ça va être... Faut que je fasse peut-être diversion avec le minou. Petit chat. You got some work to do. Attendez, on va mettre ça. Voilà, on va mettre ça en préparation. Voilà. Mm. Mais putain, pourquoi il fait ça? Mm, I see. Coucou. <J'ai... rire> Non mais ça peut marcher en vrai. Faut juste que je fasse gaffe. Hein. Hey connasse, qu'est-ce que tu fous? Keep your eyes peeled. Come on. Hey, coming through. C'est passé, c'est ça le pire. Come to Hector.
over there. No problem. Ah, j'espère que tu cours vite, connard. Allez, cours! C'est bon, putain. Ah non! C'est l'échec! Bon, écoutez, je crois que je vais le laisser là, hein. Ok, bon. On va faire un truc avec le chat. Pas dans le chat, non, la connexion, pardon. Je me gourre dans les compétences maintenant, ça va le faire. Il y a des gens qui les voient. Je me fasse pas baiser. En vrai, je peux foncer sur eux et directement les exploser avec Isabelle, quoi. Mais qu'est-ce que tu fous, putain? Parfois, elle fait peur, hein. Voilà. Time to go. Come on, amigo. Ah, il avait pas la vue quand même, je viens de voir. Ah, bon, évidemment, le manteau, j'ai explosé pour avoir la voie libre. Hein. Non négociable. Voilà. Bon, t'es complètement con, tu veux pas le jeter. Allez, ok, j'ai compris. Laisse au moins l'échelle, merci. Ah, ça prend 10 ans à baisser, putain, je comprends, j'y serais jamais arrivé en fait. Bon, dans le doute, j'aime pas trop laisser les cadavres, je vais les planquer parce que... C'est pas un truc dont je suis fan. Come to Hector. Who is better than one? Coming through. Allez hop, et on va finir par ce connard sur la plage. On va foutre à la baille. Et on sera bien. Voilà. On va tout nettoyer, on risque pas de se faire gauler. Bon, j'imagine qu'il faudra avancer à tour de rôle avec tous les persos. Bon, quand je serai bloqué, j'essaierai de voir ce que je peux faire avec Cooper et Kate, on verra. En ce sens, ça se passe bien. Let's light this up. Je fasse gaffe avec cet enfoiré là. Hein. De temps en temps il se lève, faut faire gaffe lui aussi. Tiens pour pisser, d'accord, gros dégueulasse. Let's do this. En fait, je suis juste un peu con quoi. J'ai juste à faire ça en vrai, hein. Looks like a job for Bianca. All set. Time to make some noise. Can do. Hombre. Oh non. C'est bon, il verra pas. Nickel. Still got it. Keep your eyes peeled. Bianca returns to me. Allez. Ça sera beaucoup plus simple. I can do this all day. I can do this all day, ouais. Allez, on planque. Moi, je laisse aucun cadavre visible, c'est bon. On m'a trop de fois baisé la gueule. Par contre, toi, faut faire gaffe, c'est cruel. Le manteau, il peut voir les traces de pas. Hein. Je pense que je peux peut-être me servir de ça à mon avantage en vrai. I like it. Le poncho c'est OSEF sur 20 quoi. I see. Ok.
never seen those prints before. Time for the axe. Keep your. Et voilà. Dans le baba, mon pote. Ah là là là. Une fois qu'on connaît les mécaniques, ça va beaucoup mieux, hein. Mais si tu peux, connard, allez, arrête. Voilà. Viens de le faire 10 fois, là. J'ai cassé la gueule au petit pancho, là-bas. Sure thing, amigo. I'm in the mood for some chopping. Allez, coucou. Making a move. Coming through. Voilà. Bon, on a déjà passé l'étape de la plage, maintenant on peut commencer à entrer dans le domaine de Vite. Et on arrive bientôt au feu d'artifice, hein, mine de rien. Hein. Let's go. Ça dit, faut quand même rester sur nos gardes, hein. Ils sont encore beaucoup, hein. Il y a un connard sur le toit, je l'avais pas vu. Ah, là 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 là. Quel enfer. Ouais, un peu d'observation, là. Bon, Isabelle, évidemment, elle pourra monter. Bon, ici, on essaye même pas, hein, c'est pas la peine. Kate, à la rigueur, elle pourra faire de la drague. Pour peut-être attirer les ennemis. Ça dépend jusqu'où ils peuvent aller, en fait. Ça, c'est saboter le feu d'artifice, c'est ça? C'est quoi? Ça, on fera des tests en sauvegardant avant, hein, bien évidemment. J'ai envie de faire l'andouille. En plus, là, il y a un civil, c'est l'enfer. Bianca est prête. Bon, déjà, le civil... Chier, j'arriverai pas à l'attirer. En fait, je m'en bats les couilles, c'est lui qui va mourir. Je m'en fous qu'il y ait machin qui le voie. Complètement con. I'll use my singing voice. Time to use Bianca. Just... Bianca's waiting for me. Time to make some noise. You got the memo. Sure. Knock yourself out. Getting a bit crowded here. Wait, that's no guard. Oh, the marshal's gonna be pissed. Ah merde! Ok, ça je m'en rappelais plus, vous voyez. Ah merde! Bon bah on va charger celle-là, c'était la plus récente, ouais, parce que j'observais. Merde, quel con! On peut pas tuer les civils, là, ça va poser problème ça, donc je peux pas l'avoir avec Bianca lui. Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe! Bon! Voilà, là, je joue autrement. Au coup là, à part faire le tour avec Isabelle et passer par là, mais que ça soit un enfer, pas possible. Bon, pas trop comment, hein. Il y a des ennemis partout. Putain. Je suis pas encore trop servi d'Isabelle, on va l'amener là-bas. Enfin, je crois qu'il y a moyen que je fasse quelque chose, hein, mais ça va être assez tendu. Je pense que j'ai une idée, je vais essayer de faire une connexion. Remember what Wayne told us. We can't kill any of the guests. Sure. I'll just put them to sleep instead. Just a tiny prick. Let's see what we can do. Jusqu'ici tout va bien. Not a bad idea.
On va sauvegarder au cas où ce plan complètement improvisé marche ou pas. Ah, lui en dessous, il voit. Ouais, pas, ça marchera jamais. Bon, on va le faire quand même pour le beau jeu, hein. Parce que je suis joueur. Et Isabelle meurt. C'est le drame. Bah, lui, il casse un peu les burnes, hein. Un peu beaucoup, même, hein. À moins que je siffle. Je crois qu'il reste quand même un petit moment, mais je crois qu'Isabelle, elle prend 3 plombes à tuer, ça ne passera jamais. Bon, écoutez, après on va le tenter, hein, mais... Ça marchera pas, j'annonce, hein. Non, je sais pas pourquoi ça a pris 10 ans là. Hector's here. Bianca is ready. Let's lure someone in. I like it. Oh, I'm ready for anything. I'll send him to the other side. Ah voilà, c'est trop lent, hein. C'est beaucoup trop lent. Ouais, donc le Pancho qui me casse un peu les burnes et le Lomanto qui me casse les burnes, bah voilà, ça fait beaucoup de monde qui casse les burnes quand même, hein. Écoutez, c'est vrai que puis je m'en sers bien pour faire chier en fait. Pour lui mettre un premier coup déjà. Se servir de lui, c'est pas déconnant avec la connexion. Et lui casse bien les burnes. Clairement, lui il va falloir que j'utilise une connexion, je pense. Hein. Pour l'amener ailleurs et tuer un autre mec au pif, quoi. Peut-être le Pancho qui passe là. Même si eux, je peux les avoir en connexion en vrai. Ça se vaut. Bon, idée, j'ai peut-être envie de descendre ce connard aussi là-bas. Bon, on va tenter une connexion. Bon. Là, ça va être beaucoup de tests, hein. Et si je vois que ça passe pas, qu'on continue à tourner en rond, j'essaierai de voir ce que je peux faire avec Kate et puis Cooper. Ils peuvent pas hésiter à se servir de l'ombre à son avantage, hein, clairement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai avancé avec la lampe. Bien évidemment, ben oui, abruti man. Ça a passé. Et JBM. What is he doing? Hey, wake up, will you? Looks like we got a traitor. Merde, par contre, fallait me buter, les gars. Hein. Oh non!
Party. Where is he? Seriously. Ah bah je charge, je pensais qu'il allait se faire buter par ses potes, moi. Ah, c'est un sacré plan Hulk, hein. Merde. Il faut que je me mette de manière à ce que ses potes me butent, en fait. Hein. Ça, le faire quand il y a eux, en fait, c'est pas déconnant parce qu'ils vont le voir. Justement, ils vont se retourner, ils vont entendre le coup de feu. Et ils vont le voir. Donc c'est pas déconnant, je vais attendre. C'est le roi des connards, putain, qu'est-ce qu'il foutait là-bas, lui, oh là là. Mon plan ne marche jamais. C'est incroyable. Ça peut marcher. Allez, vas-y, butez-le. Boum, voilà, nickel. C'est ce qu'on voulait voir. On deux sbires. On va attendre qu'ils se calment, les cons, là. Regardez-moi ces mongols, quoi. Oh merde. Retourne voir Hector. Voilà, là, je risque rien, c'est sûr. Ah, il y avait une porte pour monter, j'avais pas vu. Ah, je peux pas la prendre parce que ça mène à l'alarme, d'accord, ok. Et là, j'ai la voie libre pour buter tous ces connards, en fait, maintenant, avec la connexion. C'était un bon move, en fait, hein. C'était un bon move. Tellement bon que je vais le sauvegarder. On va se soigner avant, bien sûr. Il m'en reste deux à utiliser à bon escient. Là, je pense que je pouvais pas rêver mieux, hein. Vraiment, c'était assez chiant. Allez, on passe le temps, voilà. C'est bien Isabelle. Vous avez bien défoncé. J'ai chaud au cul là. Ramasse-le. Amenez-vous les cons. Qu'est-ce que tu fous, putain? Allez, bute-le. Je les ai tués, là? Ok. Bah, je me suis un peu perdu dans les touches, là. Il y a lui en haut qui me faisait stresser. Au final, c'est passé, d'accord. Putain, bon, finalement, ça s'est très bien passé, hein. Il n'y a pas eu de soucis particuliers, du coup. Putain, j'ai eu chaud. On va sauvegarder. C'est bien, Isabelle, t'as fait le taf, là. Rien à dire. Quoi? Oh non! J'ai bien fait de sauvegarder. Putain, j'ai bien fait de sauvegarder juste ici. Hein. Oh lolololo. Mon dieu. Oh mon pote. Casse un peu. C'est quoi ces conneries? Je pensais qu'il dormait ce connard, moi. En fait, il dort pas, lui, hein. C'est super. Donc, il passe, lui, voilà.
Il s'est réveillé, ce connard. Hein. Off we go. Je ne l'avais point vu. Bon, voilà, ça c'est fait. That's what I'm talking about. Bon, je peux me sauvegarder cette fois, c'est bon. Putain. Sweet, on va y arriver, merde. Allez, assomme-le, voilà. Nice and tight. Where to? Sure, no problem. Oh yeah. Gotcha. Voilà, c'est nickel. On a dégagé une bonne zone là. On va pouvoir continuer à s'enfoncer dans les jardins. On se rapproche bientôt du truc de mécanisme avec la fusée là. C'est pas dégueulasse. Hein. C'est pas dégueulasse. Et devinez quoi, on a déjà atteint la demi-heure, donc ça va être la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude, il y a longtemps que je l'avais pas lancé, je regrette pas. Hein. Ça reste toujours cool, hein, se faire un petit Desperado de temps en temps. En attendant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo comme d'habitude, à cliquer sur la cloche pour le référencement, c'est bon, et ça vous permettra de vous tenir au courant du prochain contenu que je publie sur la chaîne. Allez, je vous souhaite une bonne continuation, des bisous, à la prochaine, des bisous, ciao, portez-vous bien.